Et puis pour terminer, une idée lecture, les plus beaux dessins de Jean Giraud. C'est de la BD, bien sûr. Évidemment, le dessinateur nous a quittés en 2012 et une collection appelée Le Petit Panthéon de Mobius, le pseudonyme de Jean Giraud, nous propose de retrouver un de ses personnages phares du nom d'Arzac, Sébastien Bordenave. Oui, n'ayons pas peur des anglicismes, c'est un artbook, un beau livre qui propose un voyage graphique à rêve ouvert dans l'univers réaliste et irréel de Moebius. Rien de paradoxal là-dedans, car l'artiste sera d'une part le dernier grand maître de la BD classique en dessinant le lieutenant Blueberry, ainsi que le précurseur de la bande dessinée libre, celle qui s'est affranchie de tous les dogmes. Alors il fallait au moins deux noms pour un même génie, Jean Giraud deviendra Moebius. En plus, je trouvais que mon nom, Jean Giraud, avait un côté extrêmement ordinaire. Ça me plaisait pas trop. Bon, d'accord, Moebius Productions avec Madame Jean Giraud à sa tête a donc eu l'idée totalement géniale de publier les meilleurs dessins de Moebius d'un de ses personnages cultes, Arzac. Arzac, c'est un grand type muet coiffé d'un chapeau conique chevauchant un ptérodactyle blanc qui survole un désert. Ce camoulox improbable va révolutionner la BD et influencer toutes les œuvres de science-fiction à venir, notamment au cinéma. Alors, pour la beauté folle et le génie poétique de Jean Giraud, lisez Arzac, édité chez Moebius Productions. C'est Sébastien Bordenave.